Hello, bienvenue chez moi. Allez, venez, je vais vous présenter mon kit. Salut. Salut, moi c'est Sampo, rider freestyle et backcountry chez Movement. Du coup, je ride le Fly 2 95 en 178 et le Fly 2 105 en 177. Alors du coup, je ride les Fly plus ou moins depuis qu'ils existent. C'est un peu mon ski à tout faire. Le 95 et le 105 se complètent parfaitement. Alors j'utilise les 95 plutôt dans des conditions de parc où la neige est plutôt dure. Mon trick préféré, je dirais, avec ces skis, il n'y en a pas un spécifique, mais j'aime sauter et faire des jumps avec ces skis. Et les 105, je les utilise plutôt quand la neige est un petit peu plus molle, peut-être un petit peu de neige fraîche. Et c'est un ski que j'adore utiliser pour faire des butters et toutes sortes de nose press. Alors les deux skis ont plus ou moins la même construction, avec un noyau un peu plié. Le 95, il a un rayon un petit peu plus court à 14 mètres et le 105, il a un rayon de 18 mètres. Niveau fixation, j'utilise les marqueurs Jester ou Jester Pro parce que ce sont les plus solides que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. Et sur les 105 comme sur les 95, je les monte en plein centre pour avoir un contrôle égal en switch et en avant. En ce qui concerne les bâtons, j'utilise les Movement Alu Freeski 2 pièces parce que non seulement ils sont réglables et en plus ils sont pas trop lourds avec un bon grip et comme ça je peux les utiliser un peu dans toutes les conditions. Alors un petit objet que j'aime bien prendre toujours avec moi quand je vais skier, c'est cette petite caméra, petite Handycam. C'est pas de la très haute qualité, mais au moins ça permet de capturer des moments avec autre chose qu'avec le téléphone. Et sinon, je construis moi-même des drones et puis je travaille avec en faisant des images de freeski, de vélo, avec un peu de tout en fait. Voilà. Bon, ce fut fort sympa, mais malheureusement, il faut que je vous laisse. Il y a une session de surf qui m'attend. A plus !